Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma routine du matin. Je sais pas si c'est une routine, à chaque fois je confonds, donc voilà, je sais pas. Donc en fait je vous ai passé le matin quand je me lève et quand je déjeune. Et du coup voilà, je me suis habillée avec un jean hyper élastique et un maillot assez court parce qu'à un moment j'ai chaud, à un moment j'ai pas chaud. Donc voilà, vu que le jean il est grand, bah c'est impeccable. Donc voilà, donc je vous laisse tout cliquer avec la suite. Donc voilà. Alors là, tout d'abord, je vais voir mes hamsters. Donc voilà. Donc je regarde Miloulou. Ça fera la deuxième fois de la journée pour le matin. Parce que quand je me lève directement, je fais un bisou à personne à part Miloulou. Donc là, j'ai dit qu'il y avait Nougala et Vanilla. Mais comme vous allez le voir, Vanille était à côté de Nougat. Donc j'étais super contente. En plus, ils sont trop mignons les deux là. Mon Hugo aussi, il est mignon. Ils étaient en train de faire dodo, mais je les caresse. Le matin, je les porte, mais la deuxième fois, je les caresse. Parce que. Donc du coup, Vanille n'est pas là. Parce que après, il faut qu'ils dorment hein, s'ils font le bazar la nuit. Donc voilà. Donc là, je retourne dans ma. Ah non, je vais voir mes oiseaux. Pardon, excusez-moi. Je vais voir mes oiseaux. Alors, Snoofy, Belle, je la cherchais, Nina, allez là, voilà. Je la cherchais parce que j'ai cru qu'elle était plus là, mais en fait, elle était là. Donc voilà, c'est bon, j'ai vérifié. Après, je vais aller faire un coup dehors. J'allais faire un tour dehors pour histoire de prendre un peu l'air. Donc voilà, j'ai envie de prendre un peu l'air, donc je vais prendre un peu l'air. Et vu que j'étais décidée ce matin à aller voir les chèvres. Donc là, il fait pas très beau parce que je chantais des gouttes. Mais après, il pleuvait plus. Donc là, je suis allée voir mes chèvres parce que j'avais envie. Et après, j'ai zoomé. Je suis pas venue à côté des grilles parce qu'il y a des orties. Ça fait super mal. Mal, pardon. Donc voilà, il y a mon Enzo qui est en pleine forme. Petite cacahuète et je voyais pas Batista. Mais après, je l'ai vue à la caméra. Je pense pas que vous allez la voir. Voilà. J'essaie de vous la montrer, mais moi qui voyais rien. Donc voilà. Donc là, je vais la voir. Je traverse le milieu où il n'y a pas d'ortie. Et ma Batista a couru vers moi. Voilà. Ça, c'est ma chèvre. Ça, c'est Enzo, la chèvre à Maxence. Et la cacahuète, à nous trois. À maman, à moi et à Maxence. Donc voilà, les chèvres vont bien, c'est impeccable. Donc après, là, je rentre à la maison. Donc voilà, je voulais filmer. Je vous ai filmé. Donc là, je suis sur la terrasse, j'ai raccourci parce que c'était trop long. Donc là, j'ai vu que la porte était un peu ouverte. Et il y avait mon doudou qui m'a vu. Et qui voulait y aller. Je ne sais pas si vous allez voir la petite queue. Il voulait y aller. Du coup, je lui ai dit, allez, va, sors. Et du coup, il est sorti, mon amour. Voilà. Donc, on va aller jouer un petit peu. Je voulais vous la montrer. Elle est trop belle. Ça a dû être un petit oiseau qui l'a déposé. Je sais plus comment ça s'appelle. Du tournesol, je crois. Un petit oiseau qui a déposé une graine. Ça fait trop, trop beau. J'adore. Donc là, je dis au chien, on va chercher la balle. Et puis, il me comprend. Quand on dit ça, la balle ou manger, il comprend. Du coup, je lui ai pris. Donc voilà, donc je vais lui lancer. Avec la caméra, j'ai pas bien lancé. Vous allez voir où ça atterrit. Ça atterrit là-dedans. Et le chien, je savais pas. J'ai cru qu'il allait pas y aller. Mais il fonce dans le tas pour avoir la balle. Du coup, là, je l'appelais pour que je lui enlève toutes les bêtes. Mais en fait, il avait son produit à puce. Du coup, je pouvais pas lui enlever en fait. Donc voilà. Mais bon, en courant, ça s'est enlevé. J'essayais de le dire ainsi, mais après j'ai vu le produit à puce, je me dis laisse tomber. Donc voilà. Donc là on joue, on court, on s'amuse. Voilà. Mon petit doudou là. Voilà, je le cours après parce que il court parce que quand il voit qu'on lui court après, il croit qu'on va prendre sa balle et là on va jouer à cache-cache. Regardez comment il est trop intelligent. Je pars là-bas. Hop, il arrive. Je repars là-bas. Et hop, il est là.
Il a eu la boule au ventre d'un coup parce qu'il m'a ah, d'un coup il m'avait fait trop peur. Voilà. Donc voilà, c'est bon, c'est défoulé tous les deux. Et encore pareil, c'est une fleur encore trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique aussi. Elle est un petit peu fanée, mais bon. La plus belle, ça la tournesol, mais bon. C'est vraiment super joli quand même. Donc là, je rentre chez moi. Donc là, je vais dans ma chambre, je crois. Je vais dans ma chambre normalement. Donc dehors, c'est bon. Bon, je vais peut-être y retourner après, hein. Donc maintenant, j'ai dans ma chambre et je viens me poser sur le lit. Voilà, je viens me poser sur le lit. Donc à tout de suite. Coucou! Voilà. C'est passé super vite. Voilà. Donc voilà. Je vais aller me peigner. Donc là, j'aime bien faire des petits sépia et tout. Parce que ça m'occupe. Et parce que c'est marrant surtout. Des fois j'ai une tête de schnock, des fois ça va, enfin tout dépend du temps. Donc voilà. Donc là je vais aller dans ma salle de bain pour me coiffer. Donc voilà. Donc voilà, je me suis coiffée et encore je refais des selfies. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aérer ma chambre et en même temps parler à mon chien par la fenêtre. C'est marrant. Du coup, voilà, je voulais montrer mon pied de cornichon, enfin notre pied de cornichon. Donc il y a des cornichons qui poussent, c'est trop bien. Donc là, j'ai essayé de faire le focus, mais ça n'a pas marché. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais il y en avait beaucoup d'autres, mais des petits. Pardon, mais nous, on veut des gros. Et voilà, là, je viens mettre sur la fenêtre pour prendre l'air. Et mon gros. Coucou, mon gros! Voilà. Donc, ce midi, je vais manger du melon. Voilà, je vais manger du melon. Du jambon fumé. Du taboulé. Et j'avais montré du panaché, donc si vous voyez pas, excusez-moi. Donc là, je tournais, je sais pas pourquoi. Ah oui, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, mettez-moi dans les commentaires si vous faites comme moi et abonnez-vous. Ciao, ciao!